un expert. Tout le monde a une chance. Bonjour et bienvenue à cette autre édition de Cannes Omboa depuis le stade d'entraînement de Yaoundé, le stade militaire qui va accueillir quelques équipes ici pendant cette 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Ça nous permet de parler du Burkina Faso, premier adversaire des Lions Indomptables du Cameroun, de Burkina qui veut retrouver ses grandes places d'avant comme la finale de 2013 face au Nigeria ou bien sa position de 3e lors de la Cannes 2017 au Gabon. Et cela passe par une bonne préparation. De Burkina Faso, pays de l'Afrique de l'Ouest, nous est présenté sous cette couture. Sur 274 000 km², entre savane et Sahel, jadis haute volta, le Burkina Faso. Créé en 1919, le pays, véritable réservoir de main-d'œuvre, sera divisé en 1932 au profit du Mali, du Niger et de la Côte d'Ivoire. Face à la détermination de ses fils, sous la houlette du Morona Bakom II, le colon n'eut d'autre choix que de rétablir le pays dans ses limites territoriales en 1947. Commence alors inexorablement la marche vers l'émancipation. Le 5 août 1960, le premier président de la Haute Volta, Maurice Yamego, proclame l'indépendance de notre pays. Je proclame solennellement l'indépendance de la République de Haute-Volta. De Haute Volta est née, une soixantaine d'ethnies engagées dans le combat d'une nation unie, travailleuse et éprise de justice. Le courage et l'abnégation de ses fils vont apporter de l'eau au moulin, des défis de développement à relever durant des décennies. Devenu Burkina Faso depuis le 4 août 1984, le pays des hommes intègres vous ouvre ses portes à l'occasion de la Semaine nationale de la culture. Du CIAO, Salon international de l'artisanat de Ouagadougou, du FESPACO, Festival panafricain du cinéma de Ouagadougou. Affirmant chaque jour davantage sa participation au Concert des Nations, riche de sa diversité culturelle, le pays de l'hospitalité légendaire a réussi à maintes reprises le pari de tenir des rencontres internationales de grande importance. France-Afrique, Coupe d'Afrique des Nations. Avec sa jeunesse dynamique et vigoureuse, nourrie à la sève d'hommes de sagesse, le pays a triomphé face à toutes les vicissitudes. Visitez le Burkina Faso et allez à la rencontre de populations chaleureuses tout en convolant en juste noce avec Dame Nature qui regorge d'une faune diversifiée et abondante. Les campements de Nazinga, Darli, les mares de Oursi et d'Erkoï, autant de sites pour le bonheur de vos yeux. Et joignez l'utile à l'agréable en vous délectant de succulents mets locaux qui font la fierté des différentes régions. Le 9 janvier à 17h, coup d'envoi du match d'ouverture entre le Cameroun et le Burkina Faso dans le somptueux stade
Olembe, 60 000 places qu'on vous présente à l'instant. Parlant à présent de l'équipe actuelle du Burkina Faso, emmenée par son technicien Kamou Malo, entraîneur national de 58 ans qui est en poste depuis 2019. Pour en parler, nous recevons donc Coris Kouyaté ici au stade militaire de Yaoundé. Bonjour Coris. Alors bonjour Marc, bonjour à l'ensemble des téléspectateurs de la chaîne Canada International. Alors, le Burkina Faso, premier adversaire du Cameroun, ou bien comme premier adversaire, ce sera les Lions indomptables du Cameroun. Quand on regarde les prestations du Burkina Faso lors des qualifications, ils ont terminé leader dans le groupe B avec 12 points, aucune défaite. Et puis récemment, en éliminatoire de la Coupe du Monde, match nul quand même face à l'Algérie, tenant du titre, 2 buts partout. Une équipe à craindre, quelles sont les forces du Burkina Faso? Non, ben, il faut dire que c'est une équipe à craindre, c'est une équipe à surveiller de près. Pourquoi? Parce que c'est une équipe quand même habituée à la Coupe d'Afrique des Nations. Il faut dire que le Burkina sera là à sa 13e participation. Cette équipe a quand même pu déjà disputer une finale de cette compétition en 2013. Du côté du Gabon, finale perdue face au Nigeria. Donc c'est une équipe habituée à cette compétition. Maintenant, ce qu'il faut également dire, que c'est un bloc assez homogène, composé certainement des joueurs que nous avons vu évoluer ici pendant le CHAN, parce qu'il faut dire que l'entraîneur, c'est un entraîneur burkinabé, donc qui connaît assez le championnat local. Maintenant, cette équipe va certainement miser sur les joueurs expérimentés qui sont du côté de l'Occident. Ici, on pense aux joueurs comme Bertrand Traoré d'Aston Villa, on pense à Tapsoba du Bayern Leverkusen. Donc, c'est un bloc assez homogène qu'il va falloir suivre de très près, je le disais tantôt. Il faut maintenant dire que c'est pas seulement au niveau des éliminatoires de la Coupe d'Afrique. Vous avez vu cette équipe quand même aux éliminatoires de la Coupe du Monde. Se fait éliminer, j'ai envie de dire, à la dernière minute par l'Algérie. Parce qu'il faut dire que jusqu'à la dernière journée, cette équipe était au coude à coude avec l'Algérie. Malheureusement,
elle s'est faite éliminer pour la suite de la compétition avec ces deux buts partout. Mais c'est une très très bonne équipe, c'est une équipe qui est quand même là depuis pratiquement 20 ans. On ne fait pas deux éditions de la Coupe d'Afrique sans avoir une équipe du Burkina Faso qualifiée pour cette compétition. Justement, dans les stars de cette équipe, une équipe qui a été quand même un peu remaniée, contrairement à celle qui était présente au Gabon en 2017 et qui avait déjà affronté le Cameroun lors de son premier match dans la compétition, emmenée par le capitaine expérimenté Charles Kaboré. Vous l'avez dit, déjà 102 sélections, lui c'est l'âme de cette équipe. Ben oui, il faut dire que Charlie Kaboré, même si il est un peu en déclin en ce moment, reste un élément essentiel pour cette équipe du Burkina Faso. On va certainement regretter l'absence des joueurs qui ont déjà pris leur retraite. On a envie de dire Jonathan Pitropa, meilleur joueur de la Coupe d'Afrique 2013, on le disait tantôt. On va regretter l'absence des joueurs comme Aristide Bansé, mais c'est une équipe qui reste très très compétitive. On parlait tout à l'heure des joueurs comme Lassina Traoré qui sont au top de leur forme actuellement du côté de l'Europe. Ce sont des joueurs qui vont certainement apporter pour ce que cette équipe puisse peut-être faire mieux que 2013. Quand je dis 2013, je parle effectivement de cette finale perdue face au Nigeria. Sinon, Marc, c'est une équipe assez compétitive. Je le disais tantôt, ils auront cet avantage de constituer le bloc avec des joueurs qui évoluent sur le plan local, mais également beaucoup de joueurs expérimentés qui vont venir des championnats, que ce soit d'Europe ou d'Asie. D'accord. Justement, la formation du Burkina Faso qui a tenu en échec, qui a battu le Cameroun lors de la dernière confrontation, c'était en amical en mai 2018, mais qui a l'habitude de croiser le Cameroun en ouverture de compétition. C'était le cas dans sa CAN en 1998 au Burkina, où il y avait eu cette défaite face au Cameroun, un but partout en 2017 au Gabon. Et bien, désormais, il faut ce match au stade Olembe en ouverture. Prochain adversaire après du Burkina, c'est le Cap-Vert le 13 janvier à 20h, toujours au stade Olembe. On va dire que les Requins Bleus, équipe difficile à manier, le Burkina Faso ne marque pas beaucoup, 6 buts seulement lors des éliminatoires. Ce match va se jouer au niveau de la tactique et l'équipe qui marquera plus pourra l'emporter, on va le dire, avec un minimum de score. Ben, c'est une équipe qui ne marque pas beaucoup, mais c'est également une équipe qui n'encaisse pas beaucoup. Parce qu'il faut dire que cette équipe a terminé, on le disait tout à l'heure, avec quand même 12 points, donc 3 victoires, 3 matchs nuls. Cette équipe n'a pas perdu aux éliminatoires de la CAN. C'est une équipe qui ne marque pas beaucoup, certes, mais c'est une équipe qui n'encaisse pas également beaucoup. Donc c'est une équipe très très rigoureuse défensivement. C'est une équipe qui aime profiter des contre-attaques, notamment des joueurs qui vont extrêmement vite. On parlait tout à l'heure de Bertrand. Est-ce que ce n'est pas face à des équipes comme le Cap-Vert et l'Éthiopie qu'il faudra maximiser pour prendre le plus de points possible? Non, moi je pense qu'il faudra tout donner. Hein. Il faudra tout donner pour cette équipe burkinabé dès l'entame de cette compétition. Parce qu'il faut dire que le premier match est toujours le match le plus important lorsque vous entrez dans une compétition. Ça peut avoir deux faces. Si vous perdez le premier match, le doute peut s'installer et la suite de la compétition devient une catastrophe pour vous. Si vous faites un résultat positif lors du premier match, ça vous donne de la force, ça vous donne du pouvoir pour mieux affronter les adversaires qui vont suivre, même si ces adversaires sont supposés plus faibles que le premier adversaire de votre poule. Donc, c'est une compétition assez relevée, on parle là de la CAN. Donc, il faudra tout donner dès l'entame de cette compétition. D'accord. Avant les autres matchs qui vont suivre. Dernier match, le 17 janvier à 17h au stade Olembe face à l'Éthiopie qui est très souvent une belle surprise. Juste un petit mot entre ces deux formations. L'Éthiopie nous habitue à avoir des joueurs qui vont vite. Est-ce que la défense burkinabé, qui est un tout petit peu, un peu lourde, on va le dire, ainsi n'a pas assez de grande vitesse, va pouvoir tenir le rythme? Ben, Marc, ce qu'il faut dire, c'est que ces dernières années, quand même, nous avons pu suivre une équipe comme l'équipe du Cap-Vert, parce qu'il faut dire que le Cap-Vert arrive là pour sa troisième participant seulement en l'espace de 10 ans, parce que le Cap-Vert était déjà là, je crois, en 2012, le Cap-Vert était là en 2019. Donc, c'est une équipe plutôt connue de cette compétition, du moins pour ces 10 dernières années, mais contrairement à une équipe éthiopienne qui est pourtant un vieux de la vieille, mais malheureusement absente ces dernières années de la scène
international. Mais maintenant, ce qu'il faut dire, c'est que du côté de l'Éthiopie, on est en train de travailler. Il y a eu un travail de fond pour que cette équipe se retrouve au niveau où elle se retrouve. Il faut quand même dire qu'en éliminatoire, elle était dans la même poule que la Côte d'Ivoire. Donc, ce n'est pas donné. Elle était dans la même poule, je crois, que Madagascar. Madagascar, cas de finaliste de la Coupe d'Afrique 2019. Donc, vous comprenez que c'est une équipe sérieuse. C'est une équipe qui a pris pratiquement 10 à 15 ans pour se construire une image, pour se construire une compétitivité. Et même si elle est absente de la Coupe d'Afrique depuis belle lurette, elle ne viendra pas certainement en victime et résignée. Elle ne viendra pas se balader. Donc, il faudra prendre tous les adversaires au sérieux. Il faudra prendre les adversaires match par match et très au sérieux pour pouvoir faire une très bonne compétition. Voilà donc pour le planning, l'agenda qui attend le Burkina Faso ici au Cameroun dès le 9 janvier prochain. Le Burkina Faso sera donc logé à l'hôtel Relax Palace Hotel ici en plein cœur de Yaoundé. Petite présentation de ce lieu. Accéder au luxe et au confort dans un cadre paisible loin du tumulte urbain. Le Relax Palace Hotel, c'est des chambres agréablement décorées selon vos désirs. Des suites spacieuses et agréablement meublées. C'est aussi une grande salle de banquet modulable de plus de 400 places, ainsi que des multiples salles de réunion complètement équipées pour vos séances de travail. Pendant votre séjour à l'hôtel, nous prenons soin de votre bien-être grâce au sauna, jacuzzi, salle de gym et aux espaces beauté entièrement à votre service. Terminé aujourd'hui, c'est Yaoundé by Night, un épisode pour voir ce qui vous attend en soirée quand les matchs sont terminés et comment s'amuser dans la ville de Yaoundé. CAN Omboa, édition spéciale Burkina Faso, stoppé fin. Eh bien, on va laisser les hommes de Kamoumalo se préparer ici en terre camerounaise avant d'entrer en scène le 9 janvier face aux Lions Indomptables du Cameroun. Allez, on se retrouve demain avec une autre équipe de ce groupe A. À bientôt. Expert, tout le monde a une chance.